Dans tout Nouveau Testament, Bible, là, ça va joindre c'est Jésus ensemble avec l'autre serviteur bon Dieu qui a prêché le message évangile là pour les gens qui ont sauvé. Et ça va après, c'est repenti, a demandé les gens repenti et puis converti. Vous pouvez joindre le message ça exactement comme ça dans Acte 3:19. Côté apôtre Pierre dit Mounio, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Créole l'a dit dans Travail 3:19, changez la vie nous, tournez vin joindre bon Dieu pour qu'a effacer péché nous. Donc repentir c'est tourner vin joindre bon Dieu. Ça veut dire ou mettez l'idée ou sous servir bon Dieu ou retirer l'idée ou sous péché. Sous mauvaise route pour qu'a marcher droit devant bon Dieu. Et convertir c'est changer la vie ou. Ça veut dire si vous tapez marcher en gens, vous pas marcher comme ça encore. Vous venez marcher en l'autre gens ou sur une nouvelle route. Tous les deux marcher ensemble. Si vous changez l'idée ou sur un mauvais chemin ou t'es sous lit, eh ben ça veut dire li pas ka nan l'idée ou toujours pour marcher sous lit sous même mauvais chemin. Si vous d'accord avec bon Dieu, un chemin son mauvais chemin lié et puis vous voulez venir faire bon Dieu plaisir qu'il y a. Ou pas continuer à aller dans la même direction. Ou pas dire ou sous bon bon Dieu et puis ou pas changer la vie ou vrai. Ma ben invite ou pour lire dans Luc 3, verset 7 à 14. Ou pour qui Jean-Baptiste est prêché repentance qui s'est tourné vin jeune bon Dieu. Li di moun yo, yo pas ka vin baptiser si c'est sous plan yo. Si yo pa décidé changer la vie yo vrai, a vle di li wè yon bon moun ki pa konverti k ap vin mande baptême. Et c'était un problème. On pour ça nan Jean li parle ak moun yo. Donc c'est comme ça pour un moun ki recevoir message l'évangile là, c'est comme ça pour le poche vin beaucoup de bon Dieu pour ka gen une relation ak bon Dieu, faut repentir et puis convertir. Faut que les convertis, ça veut dire, c'est pas seulement les d'accord pour changer la ville, mais les changer la ville même, les changer la ville vraie. Donc, ma mère vite regarder quelques autres passages sur ça, regarder Jacques 1, verset 21 à 22, Jacques 4, verset 7 à 8 sur ça. Ou qu'à lire tout Ésaïe 55, verset 6 à 7. Donc, ouais, bah, ouais, faut gagner un changement la vie pour nous parler de conversion. Ok, m'a continué le message là. Donc, on y a tout partout, il y a parlé, il y a demandé moun pour yo accepter Jésus. Mais, c'est pas ça, nous, ouais, apôtre yo prêché dans le Nouveau Testament, dans la Bible. C'est pas ça, yo prêché. Mais, accepter Jésus, t'as doué, vle dit, tout ça m'sot dou là. Concernant repentir et convertir. Si ce n'est pas ça, il va accepter Jésus. Non, ou rejeter Jésus ou pas accepter. Il y a un monde qui a accepté Jésus, il faut qu'il accepte la parole pour l'appliquer dans la ville comme un vrai disciple Jésus. Vous pouvez lire ça dans Jean 8, verset 31 et 32, Jean 12, verset 46 à 48, Luc 6, versets 46 à 49, Marc 8, versets 34 à 38, un peu l'autre passage encore. Donc, si on moun pral accepter Jésus, il faut qu'il mette confiance li dans Jésus pour qu'il suive chemin Jésus a montré pour marcher là-dedans. Là. Parce que Jésus, t'as qu'on lumière devant. Ok, j'en dis ça dans Jean 8, verset 12. Jésus son lumière li. Donc si c'est pas ça, moun nan pas accepté Jésus, li pa d'accord avec lumière, parole bon Dieu a éclairé sous li a. Donc li pa converti non plus. Donc premier pas pour accepter parole là. Sou pa accepter parole là, ou pas accepter moun nan en plus, sou pa accepter Jésus. Donc Jésus li même pas jam te prêché pour moun accepter. On li pa te parler comme ça, li pa te parler pour m'accepter, vin accepter, m'ti pa konsa l'te parler. Li mande moun yo pou yo repenti, pou
converti, changer la vie, tourner vers le bon Dieu, parce que il y en a un qui a fait travail Satan. Ok, il m'a dit puis tourner vers le bon Dieu, qui c'est sens repentir et puis convertir, qui démontrer que vraiment ouvre le marché à bon Dieu. Ok, donc mais ça Jésus prêchait, il prêchait pour moun accepter pour te croire sous épaule chaque jour pour yo marcher derrière. Parce que Jésus vini pour moun cap suivre, il vini pour montrer en route. OK, l'autant des paroles li son chemin la manteau. Et c'est comme ça il dit pour suivre li faut pour te croire sous épaule chaque jour pour marcher derrière Jésus. OK, ou ka gade ça dans Matthieu 10 verset 38. Luc 9, verset 23, Matthieu 16, verset 24, par exemple. Accepter pour te croire, ça, c'est lui qui a accepté Jésus. L'accepter pour te croire, parce que Jésus a venu sans quoi. On va accepter Jésus pour pas prendre quoi là-bas. Là-bas, quoi pour porter. Faut accepter quoi, si on va accepter quoi, ou pas accepter mon qui va quoi non plus. Donc, accepter pour te croire, ça, c'est lui qui a accepté Jésus. Ça veut dire d'accord pour mourir. C'est sans quoi ça. Quoi, qui. Bon, je dis Jésus mourir sans quoi, et bien lui-même là, bon quoi, tout, mais c'est ça même. Ou d'accord pour mourir. Mais dans quel sens? Dans le sens pour pas vivre peut-être encore. Ok? Le monde qui a vivre peut-être l'IA, la fait salve l'IA, non, le monde ça. Ou décide d'accord, le monde ça a mettre mourir. Ou pas vivre pour bon Dieu kounya. C'est sans quoi ça. Mais c'est chaque jour fait. Ça veut dire, sous tes qu'on empêché, ou ap fait propre désir pas, propre volonté pas, et bien là, pour te croire, ou mourir, ou retirer qu'on dans la situation péché, ou pas là-dedans encore. Ou pas là-dedans encore. C'est volonté bon Dieu, ou pas le faire, ou pas le suivre bon Dieu. Ok, donc. Moun ki te remen peche a, moun ki te pren plezi nan peche a, moun ki te peche, manti, vole, tout ba e sa yo. San l pa men, sa pa di lan e men. Roupan, moun sa, le moun sa jwen l'evangil la e pi li pren kwal, moun sa mouri, li ba la anko, se sa fe, ka gon nouvo moun, ou vin gon nouvo la vi, donc, son nouvo moun kompletman, se pa men moun ansyen anko. Donc se sans kwa, c'est sans quoi ça. Et l'homme prend quoi? Ça pas manquer pour tes changements. OK, un changement dans la vie vraiment. Mais forme du tout un monde qui t'a parlé d'accepter accepter Jésus qui pas gain pour te quoi la donne, qui pas accepter Jésus vrai, il pas converti non plus. Comprends? Vrai accepter Jésus, il gain pour te quoi la donne, il gain accepter quoi et puis parole qui vient ensemble avec Jésus qui parler, faut écouter parole, il faut gagner dans cœur. Donc l'accepter parole, ou accepter pour te croire chaque jour, c'est laisser accepter Jésus. OK, il y a l'autre bagage que j'ai dit personnellement sur ça, mon prend accepter Christ là pour lui vle dit, OK? Il prend pour vle dit en pile bagage mais gon danger dans ça, les n'a pas Léon Jean. Et puis ça nous voulait dire pas même avec message bon Dieu voulait pour nous joindre là. Comprenez? Pour nous ça voulait dire si n'a pas d'accepter Christ. OK, faut nous joindre dans la Bible. Ça voulait dire accepter Christ là. Est-ce que c'est accepter qu'il t'est mort, il t'est ressuscité, il t'a fait 3 jours en baptême et puis il monte dans le ciel. Bon, après de côté, il y a mon cap douce ça accepter Jésus ou d'accord à base ou d'accord ou pas dire c'est menti. Mais ça n'a pas changé la vous n'avez ou d'accord avec ça. Mais ce n'est pas ça qui a accepté Jésus. Vous comprenez? Bon, je crois que je fais la différence là pour vous. Différence sur le demande de vous. Je crois que je fais le pour vous. Donc, essayez d'entendre les messages là encore. Et puis, marquez le passage là, Bible, pour qu'il y ait pour vous-même. Et puis, pensez sur vous.